Et demain, il fait plus frais, normalement. Demain, on va pouvoir refaire des streams l'après-midi. Recommande jouer avec une manette, oui. Allez. Faut aussi qu'on retrouve le temps de faire des jeux de stratégie ou un peu plus simu-militaire. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mes racines. Et ça fait quelques mois qu'il y a un truc qui me gêne et je pense que c'est ça. Bon, bonjour. Ah, sécurité Windows qui fait tout long. Détecter aucune Te voilà menace. au cœur du Parfait. centre administratif. Allez, on est reparti là où on est Bienvenue à mort la la dernière maison. fois. Le SOS venait de quelque part dans cette zone. Jette un coup d'œil. Donc, Les tueurs patrouillent. pour ceux qui n'étaient pas là la dernière Essayons de ne fois, pas y voir un présage. trop bien des orques. On a globalement déclenché une marée noire hein, par nos seigneurs et maîtres industriels ont déclenché une marée noire. Le puits central. On a dû s'entraîner à l'évacuation là-dedans. Je trouvais que c'était des conneries, mais... Bon. Hop là. Et demain soir, on reprend un peu Starfield. Enfin. J'ai quasiment fait aucune quête du coup. Enfin, aucune quête décisive du coup, en vous attendant. Autrement dit, il me reste pas mal de choses à faire dans le jeu. Hop, essaye de passer là-dedans. Dans un genre de vestiaire. Il est complètement sous l'eau. Oh merde. Ah, t'inquiète. C'est marrant que ça c'est. Ça c'est resté sur place. Des ressources, il y a quelque chose ici. Non, c'est juste que je pouvais aller à gauche ou à droite. Ok. Péter la porte et on avance.
cette saloperie. Ah merde. J'espère halluciner. C'est là que je mange, je crois. En direct, non. Mon oxygène est correct pour le moment. Reculez. J'ai dit reculez. Ah oui, c'est ça, j'étais... T'es venu ici et en sortant, je me suis fait avoir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein d'oxygène. Si je vais au bon endroit, hein. Même si mon perso a l'air de se marrer. Non, tu veux pas? C'est bon. Ah, c'est là, d'accord. Ce truc est partout. Me dis pas qu'il y a une fuite. Non, c'est pas du pétrole. J'en ai vu au bunker des drones. Une forme de faune marine invasive. Des sangsues, peut-être. Encore des sangsues. C'est du pétrole, crois-moi. En contact avec l'eau à cette profondeur, il flotte et fait des gros blobs. Presque comme des sangsues. Tim, quoi que ce soit, ce que je vois, c'est pas du pétrole. Le signal vient de la salle des serveurs. Hop, j'espère qu'il n'y a pas d'air derrière. Je suppose que ça servira. Je suppose qu'il faut descendre. Ouais. On va fouiller ici avant. Ah, bordel. Ça a été fait, c'est fait. Au moins on fouille vite. On dirait la salle des serveurs. Oh, oh Dieu. On flotte tous en bas. Est-ce que c'est... Tim, j'ai trouvé un membre de l'équipe. Je suis pas sûr, mais... il a l'air mort. Je suis pas sûr. Et voilà. On va essayer d'ouvrir, je pense que ce sera verrouillé. Je pense pas qu'ils vont nous laisser jouer avec le corps.
porte est fermée, évidemment. Ah, ceci dit, un autre panneau derrière. Que tu trouves ce qui s'est passé. Va à la salle de contrôle à l'étage pour voir si on peut lever ce foutu confinement. Mais d'abord, scanne-moi donc ces serveurs. Je pourrais peut-être récupérer quelques infos. J'avais oublié ce truc-là. Effacement de nom. Hein ? Ces putains de raclures d'escrocs de patron. Tim ? C'était pas une mission de secours, mais d'extermination. Quoi ? L'équipe. On les a envoyés effacer les serveurs, les archives, tout. Ce sont eux qui ont lancé l'évacuation et noyé l'endroit. N'a jamais été en danger. Ils voulaient juste qu'on soit plus dans leurs pieds pour pouvoir laver leur linge sale. Ah. Ah, merde. Ah. Et maintenant ? Continue. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Je sens qu'on va tomber d'un balcon, un de ces quatre. Aucun de nous deux pourra s'approcher d'une fenêtre pendant quelques années. Non, tu sais, je viens de me rendre compte que cet endroit me manque. Le bureau ? La chaise cassée, le bureau branlant, l'humidité permanente. Maintenant que ça a disparu. Marrant, ce à quoi on s'attache, hein? Tu l'as dit, Bouffy. Un ancien comme moi, ça me donnait l'impression d'être important, à donner des ordres et à regarder des gueux comme toi bouger comme des pièces sur un échiquier. Ah, merci. Non, Dieu. Tu sais, je viens de me rendre compte que cet endroit me manque. Bah. Le bureau? Et en plus, il radote. L'humidité permanente. Maintenant que ça a disparu. Marrant, ce à quoi on s'attache, hein? Tu l'as dit, Bouffy. Un ancien comme moi, ça me donnait l'impression d'être important, à donner des ordres et à regarder des gueux comme toi bouger comme des pièces sur un échiquier. Ah, merci. Je connais Tim depuis longtemps. Lui et papa étaient inséparables avant. Papa me disait qu'ils ont été élevés ensemble et vivaient l'un chez l'un ou l'autre en grandissant. Les familles de pêcheurs se serrent les coudes, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'était vraiment le cas pour ces deux-là. Quand ils ont commencé sur les bateaux, ils partaient ensemble. Ça venait naturellement à Tim. Mais papa a mis un peu de temps à choper le coup de main. Enfin, c'est ce que m'a dit Tim. En moins d'un an, ils étaient pros. C'est toujours fermé, Tim. Je dois trouver un autre chemin. Ok. Très bien. Peut-être... Peut-être par les habitations. Il y a une autre entrée. Ok, j'y vais. Par où, ça ? Je viens de par là, donc c'est pas là. Pour être là. Thank you.
un autre plongeur. La cantine. On dirait que tout le monde est parti très vite. On dirait les cabines de l'équipage. L'accès d'urgence à la salle de contrôle doit être par ici. Ça, c'est... Bon, faut pas être méga fan de... d'intimité, je suppose. La salle de contrôle. Enfin. Cherche le panneau de contrôle principal. Ouvrira la salle des serveurs. Bien. Un gros poisson. C'est fait. Le confinement est levé. Oh wow. Retour dans la salle des serveurs. Finissons-en. Ça a marché. Voilà. L'oxygène qui en baisse, c'est ça? Ouais, l'oxygène est pas ouf. J'entre. Ah, quel enfer. Donc, donc. C'est bon. Ok. On dirait que le processus qu'ils ont lancé tourne toujours. Tout ce foutu charabia technique. Ras la casquette. Ces trucs ont tous un bouton off. Éteins tout. Débranche-moi tout ça. Eda. Un peu surpris que ça tienne aussi bien l'eau salée. Allez, allez. J'y suis presque. C'est fini. Allez vous faire mettre, foutu manager de... C'est pas trop sympa. Tim ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Coucou, ouais. Ah, c'est reparti pour les alus. Supermarché. Je comprends pas. Salut Gianno, tu vas bien? Pearl. Pearl est là. Je le sais. Ah, j'avais dit que je finirais. On l'a trouvé.
On a fait quoi, 3, 4 heures? 3 heures samedi. Mais c'était un week-end fou finalement, j'étais assez pris. Et bon sang, qu'est-ce qui fait chaud? Lumière. Peut-être qu'elle est au rayon jouet. Très surpris par ton PC aujourd'hui? Comment ça? C'est toi. Je pensais pas pouvoir le faire bugger autant. Ma grande. C'est pas mal. Bah j'attends maman, gros bêta. Je crois que tu l'as rendu triste. Pourquoi vous vous disputiez? Non, on se disputait pas. On parlait du... Cette dispute... Cette dispute, c'était rien, tu sais. Tout allait... Tout va bien. Je sais. Mais je... Quoi, ma chérie? Je sais pas, je veux pas que tu perdes ton corps. Écoute-moi bien. Je ne vais nulle part. Je ne te quitterai plus jamais. Allez, viens. C'est tout le truc, Acta, c'est plus les enfants et de nos jours. Tu restes avec moi cette fois. D'accord? C'est les enfants d'avant. Ouais, de manière générale, les ordi, ça aime pas le show. Elle est où, maman? Ni les vieilles configs. Oh, elle est à la maison. Elle. Ni la poussière. Ni le froid. Ça aime rien. Contre toi? Ma puce. Pourquoi est-ce qu'elle serait fâchée? Il a fait normal, bah voilà, ce l'ordi a pas aimé. J'espère que tu sais que maman et moi, on sera toujours là pour toi, ma chérie. Je sais. C'est bien, on sera là tous les deux. Je sais. Il y a un petit ring où c'est juste chez moi. J'en ai pas vu de mon côté. Je vais essayer de faire un peu plus gaffe de votre côté. Mais il est possible que ça vienne de toi. Tim, c'est bon. J'ai vu. La suppression des données est annulée. Non, c'est fini, tu comprends? J'arrête. J'arrête tout ça. Ok, gamin, je... Ouais. C'est sûrement mieux. Je t'envoie une équipe d'extraction au plus vite. Retourne au module, ok? Faut que je parte d'ici. Il est là. C'est bon, j'ai retrouvé le sud. J'ai un deuxième bug de PC, enfin pas le mien, il refusait de boot et fait bip. Et fait bip, puis plus de bip. Bip, puis plus de bip. Et même pas le temps d'avoir l'écran d'allumage règle en appuyant sur F1 pour je ne sais quoi. Ok, ouais, j'ai un peu de mal à voir ce que tu essayes de dire, mais je... Est-ce que t'as une série de bips qui se déclenche? Non? J'ai du mal à comprendre le problème, enfin je l'ai pas compris, mais je l'ai réglé pour le moment. Bon, nickel. C'est un truc qui est absolument génial sur une config.
Si t'as un souci au démarrage, tu devrais avoir une série de bips qui va se déclencher. Et cette série te permet d'identifier un problème. Je sais plus par où on était passé par contre. D'ailleurs, il y avait un décalage de 3 heures horaires quand je suis allumé. Ça va. C'était une série de 1, puis après il se coupait trop vite. Hein, c'est peut-être ça, c'était peut-être un code audio qui t'a envoyé. Ah, par là. Pourquoi ton gars veut partir ? La dernière fois, il a... Alors, à la fin du premier stream, il y avait une tempête qui a été annoncée. Au début du second stream, on a voulu augmenter le débit de pétrole qui était tiré, histoire de pouvoir éviter de tirer pendant la tempête. Donc on a voulu booster à fond avant. Sauf que ça n'a pas tenu, ça a complètement fait exploser le truc. Donc on a déclenché une marée noire. Il y a eu des incendies sur une des plateformes et tout le bordel. Enfin, ça a été le bordel, quoi. En même temps, notre perso a subi un épisode, je sais pas, psychotique peut-être, où il était complètement en délire, il voyait sa fille. Enfin, il a plus su faire la différence entre réalité et rêve. Et en gros, il sent qu'il perd le nord. Plus là, on a découvert que l'entreprise a essayé de maquiller son échec en noyant un peu ses infrastructures, etc. Enfin, ils magouillent à fond, quoi, ce qui est sans surprise. Donc, on est légèrement à bout. Oh, et la marée noire a tué notre ami le... je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Enfin, je sais pas ce que c'était comme animal. Un lion de mer ou quelque chose comme ça. Une espèce d'otari, mais en plus gros. Et tu l'as pas vu? Il était déjà là sur le premier stream. Bon, on l'avait vu vite fait et puis tourné autour de l'habitat depuis. Tim, faut que je te dise quelque chose. D'accord. C'est à propos de Pearl. Elle m'a suivi ici. Une partie d'elle. Je suis pas sûr de comprendre. Moi non plus. J'ai vu des choses ici que je pensais impossibles. Stan, ces migraines, elles ont jamais réapparu. Quoi ? Non. Non, je vais bien. Non, tu vas pas bien. Attends, tu crois que c'est une narcose ? Que j'ai rêvé le truc qui a failli me tuer ? Non, non, je te crois. Ça fait beaucoup à digérer, je sais. Écoute, on en reparle quand je remonte. Mais il y a vraiment quelque chose qui va pas ici, Tim. Ok, gamin. Quoi que ce soit, on va le régler. Ensemble. Mmh, mmh, mmh.
Je t'ai jamais demandé. Comment ça va, Emma? Emma, elle s'en sort. Oh, enfin, donc c'est bien des mines. Bonjour, moi. Bonjour, prof. Ouais. Elle mène la vie dure aux gosses. Mais elle les aide à grandir. Elle a un sacré caractère, c'est sûr. Seulement avec toi, Tim. Seulement avec toi. Je devrais l'appeler pour lui dire... que je rentre. Ah, je veux dire, tu pourrais considérer que l'entreprise te prévienne, tu vois. Ils seront à la station demain matin. Une capsule t'attendra. Et les communications remarchent au module. Je sais que t'es venu ici pour t'évader, mais avec tout ce qui s'est passé... Je sais, Tim. Tout va bien. C'est un peu cassé ton vaisseau. Quand j'ai pris une mine, ouais. Mais ça va, je l'ai réparé. Le HUD a cligné comme une vieille cassette. Peut-être parce que je l'ai caché et qu'il est réapparu juste derrière, ou inversement. Parce que le jeu a tendance à cacher ton HUD. Et je trouve ça absolument génial d'ailleurs. Genre là, ça fait un gros truc noir. Non, ça doit être ton affichage. Change d'écran pour être sûr. Ok, je m'arrête 2 minutes, dis-moi quand c'est ok. On a le temps. T'as coupé ton écran. Pour mettre le HUD, ouais. Ça l'a refait. Ouais, moi j'ai rien de mon côté. Sur aucun des aperçus. Ok. Ça y est. Dernière nuit sous les vagues. Il faut que j'appelle Emma. Ça fait déjà trop longtemps. Oula. Ça, par contre, c'est chez moi aussi. Faites pas attention, hein. C'était quoi ça? Un artefact graphique. Stan ? Je signale encore type ces conneries. Stan ! Stan, tu m'entends ? Je suis là. J'ai vu la plateforme aux infos. Le pire accident de la décennie, il disait. Ouais, ça clignote un peu. Les dégâts à l'environnement. Et moi, je peux même pas m'en inquiéter parce que mon mari refuse d'entendre raison. Je rentre à la maison. Tout ça pour poursuivre une idée de... Quoi ? C'est fini. Tout est fini. Je rentre à la maison. Tim m'envoie un bateau. J'essaierai de relancer le jeu après. Ah, je... Ok. Ok, super. Que tu me caches quelque chose. Je peux pas la laisser comme ça. Je pense qu'elle a besoin de mon aide.
Pearl? Oui. Et... qu'est-ce qu'elle dit? Et je m'attends pas à ce que tu comprennes. Comprendre? Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand tu racontes n'importe quoi? Je suis enceinte! Quoi? Je suis enceinte, Stan. Oh mon Dieu! On va avoir un bébé. On va avoir un bébé. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Oh. Ok, écoute. Je sais que j'ai pas toujours, enfin, d'une certaine façon, elle me manque tellement. Emma, dès que je ferme les yeux, je la vois, je te vois, je nous vois, et ça me fait toujours mal. Et tu crois que c'est différent pour moi? Ça fait 3 ans que je suis constamment dans le brouillard. Je savais que je pouvais pas laisser cette douleur me définir. Alors j'y aurais jamais échappé. Je t'aime. Mais repartir de zéro, continuer, c'est dur, Stan. Je vais avoir besoin de toi à mes côtés. Je serai là. Je te le promets. Fais. Un peu distrayant le. Fais ce que tu as à faire. Mais Dieu m'en est témoin. Si tu nous abandonnes, je te le pardonnerai jamais. Un bébé. Comment est-ce que je peux? Tu vas te reprendre en main. Une bonne fois pour toutes. Pour eux. Un bébé. La solution à tous vos problèmes? Faire un bébé? Évidemment. 21h34, quelle heure il est? Ok, on va continuer jusqu'au prochain checkpoint. Ah, répondre à Tim. Est-ce que si je fais... est-ce que si je change juste ça, ça réglera le problème? Ah bah finalement si, il y a un mode sans bordure. Ok. Tant mieux. Non, ça règle pas le problème. Voilà, attends. Hop. Tant pis. C'est compliqué la vie, ouais. Meilleure astuce pour les fissures plongeurs. T'arrives au cours de plongée avec ta manette. Mais c'est le jeu qui l'a dit. On dirait que ça y est,
Dernière nuit sous les vagues. Ok, hop. On va passer l'appel d'Emma, si on peut. Il faut que j'appelle Emma. C'est déjà trop longtemps. Stan ? Ah zut. Stan ! Stan, tu m'entends ? Je suis là. Y a pas de bouton passé. Non. Bon, bah tant pis. J'ai vu la plateforme aux infos. Le pire accident de la décennie, il disait. Rien que les dégâts à l'environnement. Et moi, je peux même pas m'en inquiéter parce que mon mari refuse d'entendre raison. Je rentre à la maison. Tout ça pour poursuivre une idée de... Quoi ? C'est fini. Tout est fini. Je rentre à la maison. Tim m'envoie un bateau. Demain. C'est nul, faut laisser passer. Ah, je... Ok. Et j'ai pas... dire, c'est un jeu qui est hautement narratif, qui est pas censé être très long. Donc le seul moment où ça pourrait être intéressant, c'est quand t'as un souci technique, mais c'est pas censé arriver, donc... Je peux pas la laisser comme ça. Je pense qu'elle a besoin de mon aide. Pearl ? Oui. Et... Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est dommage, mais normalement j'aurais pas dû m'en rendre compte. Est-ce que tu comprennes ? Comprendre ? Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand tu racontes n'importe quoi ? Je suis enceinte ! Quoi ? Quand ça arrive, c'est cool. Ouais. Je suis enceinte, Stan. Après, t'as tellement de gens qui passent les cinématiques par automatisme. Oh mon dieu! Oh mon dieu! On va avoir un bébé! On va avoir un bébé. On pourra l'appeler Perle 2. Oh mon dieu! J'y crois pas. Ok, écoute, je sais que j'ai pas toujours, enfin, d'une certaine façon, elle me manque tellement. Emma, dès que je ferme les yeux, je la vois. Heureusement que c'est pas un bateau. Je te vois, je nous vois, et ça me fait toujours mal. Ah, parce que deux. Et tu crois que c'est différent pour moi ? Ça fait 3 ans que je suis constamment dans le brouillard. Je savais que je pouvais pas laisser cette douleur me définir. Voilà. Alors j'y aurais jamais échappé. Je t'aime. Mais repartir de zéro, continuer, c'est dur, Stan. Je vais avoir besoin de toi, à mes côtés. Je serai là. Je te le promets. Fais ce que tu as à faire. Mais Dieu m'en est témoin. Si tu nous abandonnes, je te le pardonnerai jamais. Ok. Un bébé. Comment est-ce que je peux? Tu vas te reprendre en main. Une bonne fois pour toutes. Pour eux. Un bébé. Elles m'ont l'air différentes. Est-ce que je les ai échangées? C'est la dernière. La toute. Peu importe. Ok, dernier point d'étape. Ton taxi arrive à l'aube demain et... Emma est enceinte. Quoi ? Ouais. Félicitations. Comment ça va ?
comment tu le vis? Je nage ben, en plein délire. Je le digère encore. Ah, il a raté la blague. Ah, c'est exactement ce qu'il te faut. Ça va être parfait, c'est moi qui te le dis. Et toi alors? C'est quoi la suite? Moi, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, peut-être que je vais revenir à la mer. Il reste quelques bons équipages là, dehors. En ce qui concerne les données qu'Uni Trench a essayé d'effacer, tu sais comme je suis maladroit. Qui sait dans quelle boîte mail elles vont finir? J'ai hâte. T'es vraiment de voir en train de dire ça sur ça. Le système com à de bonne la boîte. Distance. On en reparle demain. Et en personne, ce coup-ci. Je raterai ça pour rien au monde. Dors bien, Stan. Et on va finir la journée avec une tasse de café. C'est qui le doubleur? Aucune idée. Je comprends pas comment ils peuvent parler comme ça via les outils de la boîte, de ce genre de truc. Ouais, c'est un peu... Il peut avoir confiance dans les équipes d'évac après ce qu'ils viennent de voir. Pourquoi est-ce qu'ils auraient à craindre des équipes d'évac? Non, ils sont pas allés buter les gens. Il y a quelqu'un? Il y a des gens qui se sont noyés là-dedans, mais ils sont pas allés buter les gens. Pas si différent. Pearl. Trouve un truc à boire. La mer? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Rester en sécurité, d'accord, mais... Attends. Reviens. C'est toi? Hein? Tu veux que je te suive? Tellement mourir. C'est radio de qui qu'on entend? Ça doit être du trafic sur le... sur la radio générale. Allons-y. Moon, il faut qu'on aille quelque part. Pour qu'on ait au lit. On se les pèle dehors.
qu'on va? Tu peux pas me parler? Où est-ce qu'on va? Non, elle va pas te parler, c'est une méduse. Je t'aime beaucoup, Stan, mais... Surtout à travers ce marin. Oui, ça Pearl. C'est du détail. Pearl, où est-ce qu'on va? N'empêche, entre le passé d'activiste de Tim et l'état psychologique relativement instable de notre personnage, Wintrain, je vais avoir aucun mal à contrer n'importe quel cas, enfin n'importe quel cours de justice. Aller un peu plus vite, Pearl, hein. Annie? Ok. Quoi? Oh, trop bien. Notre maître. C'est juste un cauchemar, tout va bien. Ah ou pas? Pearl. Attends. Non. Laisse-moi partir. La formation. Non. Ok. C'est pas bon. Ok. Du calme. Ça par là? Ok. On respire. Lentement. On économise l'oxygène. Kraken, c'est pas encore ça, ouais. Ce que je disais la semaine dernière, j'espérais qu'il partirait pas trop dans le fantastique. Parce qu'ils avaient commencé à nous sortir des espèces de bandes sensues, un peu attaque. Ouais, c'était bizarre. Faut que je les suive ou... Qu'est-ce que c'est? Que je remonte. On dirait... un module d'habitation. Foutu.
pas de station aussi profond. Il a dû être amené par un glissement de terrain.